Bonjour à tous, Mike Luzio, on se retrouve pour la suite. Maintenant qu'on a fait le parfait petit run and gun setup, donc comme ça, bon, c'est assez lourd, mais voilà, il y a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, on va passer de ça au setup complet. On va tout mettre, donc on va prendre la base, hein. Là, il y a déjà pratiquement tout ce qu'il faut, mais voilà, si on est sur un petit tournage et on veut avoir plus de flexibilité, là, on va venir le remettre sur le trépied. On repasse du run and gun à la main au trépied en un instant, hein, avec la petite plaque. Donc là, le trépied est bien serré, sinon ça tombe vu que c'est assez lourd. Ce qu'on va faire, c'est enlever la poignée. On va débrancher le câble du moteur. Soit on le branche à la poignée avec le petit câble USB, comme ça on a le contrôle, hein, on peut contrôler le moteur avec la poignée. Soit on vient le brancher donc avec l'autre câble à la plaque. Mais là, il va falloir le contrôler avec la grosse roue. Donc là, on vient détacher ça. On n'en a plus besoin pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est brancher l'autre. Mais la batterie, en fait, on ne va pas la laisser là. Vu qu'on le laisse sur le trépied, on l'enlève. On revient la placer derrière. Vu qu'elle est assez lourde, ça rebalance un petit peu le setup. On vient brancher le moteur ici. Donc au 7 volts et la Blackmagic au 12 volts. Pour le micro, soit on peut venir le brancher donc en prise jack avec l'adaptateur, mais c'est pas très pratique avec les flip-flops là, vu qu'il est coudé comme ça, avec la cage et tout, c'est pas très pratique. Donc ce qu'on peut faire, c'est venir brancher le mini XLR. Donc comme ça, pas besoin de batterie pour le micro, c'est la caméra qui fournit le power. Par contre, les flip-flops, voilà, encore une fois, il faut venir les placer au mieux. On vient le brancher ici, et comme ça, pas besoin de pile dans le micro. C'est juste, hein. Là, le petit câble là, c'est juste, mais voilà, ça tient bien ici. Voilà, c'est fait pour, c'est vraiment la taille, nickel. Voilà, par contre, on est limité, on peut pas le mettre de l'autre côté, c'est vraiment de ce côté. Et maintenant, on va tirer l'écran pour contrôler le focus. On vient tirer ce câble HDMI, c'est bien sécurisé, hop, et on vient faire le DIY Monitors Director. On prend la poignée. On prend le petit trépied du stabilisateur Jihoon. C'est là où on va voir que très pratique d'avoir tout ça, stabilisateur et tout le reste. On a déjà monté le petit mount. On vient mettre donc le récepteur avec le petit câble HDMI qui était dans sa petite boîte. Donc là, on a le DIY Director's Monitor. La vidéo, on va le mettre à jour pour pouvoir contrôler justement. On prend l'autre partie qui était sur le stabilisateur et on vient mettre sur ce petit mount. Comme ça, on peut le mettre sur la poignée. Tac. Et on vient mettre le transmetteur. On prend un petit câble HDMI vers mini HDMI, donc 30 cm. Encore une fois, c'est un peu juste, mais ça fait l'affaire. Ça rentre bien. Hop. Tac. Donc là, c'est juste, hein. Donc ce qu'on peut faire, c'est soit le mettre comme ça, dans cette configuration-là, soit on peut le mettre comme ça. Et là, il y a le micro, ça gêne pas. Voilà, c'est un peu plus détendu. Ça va, ça fait l'affaire. On peut le pivoter si on veut. Le petit transmetteur, le câble HDMI, le câble XLR pour avoir une meilleure qualité sonore. Tac, tac. Le petit follow focus qui est branché à la batterie. Et donc, on va faire la petite upgrade. Donc on prend l'autre petite partie pour pouvoir la mettre ici. Ça venait avec le petit bar magique de la lumière qui est juste là, la Falcon Eye F7 mini RGB LED light. Ding, la vidéo est là. Tous ces petits produits individuels viennent se compléter et donc voilà, c'est ça qui est beau, c'est la magie du cinéma. Chaque petite partie, ça peut resservir. On vient mettre ça. Là, on prend la petite partie qui vient avec, hein, bien sûr. On peut le mettre dessus, on vient serrer, et voilà. Comme ça, on a le petit retour, voilà, avec la petite roue. Donc on peut contrôler. Donc là, c'est pas calibré pour cette optique. Donc pour calibrer, en fait, le Sigma 18-35, il faut faire donc rester appuyé, calibrer. Et comme il n'y a pas de hard stop, ça s'arrête pas. À chaque extrémité, ça s'arrête pas, donc, comme c'est une optique photo. Et donc ce qu'il faut faire, en fait, quand on calibre, quand ça vient au bout, donc on vient stopper avec la main l'optique, juste le temps que ça calibre, on relâche, ça va jusqu'à l'autre extrémité, on vient remettre la main,
juste tenir un petit peu le temps que ça calibre, que ça trouve les deux extrémités, et une fois que c'est bon, on peut s'amuser. Donc voilà, le petit setup complet. Voilà, il y a tout ce qu'il faut, la batterie pour tenir longtemps, le micro avec la prise mini XLR pour avoir une meilleure qualité, en Phantom Power, c'est la Blackmagic qui l'alimente, le Sigma 18-35 pour la bonne qualité, le petit Follow Focus de chez Tilta avec le DIY Director's Monitor, comme ça on peut contrôler. Donc ça c'est parfait pour les petits courts-métrages, pour les vidéos d'entreprise, les vidéos documentaires, comme ça on peut avoir le caméraman ou même l'avoir sur le trépied et puis être tranquillement avec le DIY. Donc même pour les vidéos YouTube, c'est ce que j'ai déjà fait. Comment je fais le focus? Grâce au DIY, Director's Monitor et le petit Follow Focus de chez Tilta. Je vais bien sûr faire une petite vidéo update du DIY. Donc on n'oublie pas de s'abonner à la chaîne, bien sûr. Setup YouTube vidéo 2021. All right. Donc par contre, les transmetteurs de Jiun, ils ont pas vraiment une bonne batterie, donc c'est à peu près une heure. Donc ce que je vous conseille, le mieux, c'est d'avoir deux batteries comme celle-ci. Ça dure plus longtemps et comme ça, c'est tranquille. Ou alors faire comme j'avais fait pour le Director's Monitor, mettre la batterie externe dessus. Donc voilà le petit setup complet. Et comme ça, voilà, si on veut le tirer en un instant. On peut mettre la batterie sur la caméra et repasser au mode run and gun. Juste mettre la poignée. Après, si on veut le tirer, le prendre à la main, on peut venir prendre la poignée. Ou sinon, le prendre comme ça. C'est une autre solution. Bien sûr, on a toujours cette poignée-là qu'on peut utiliser. Hein. De ce côté, par contre, il faut être droitier pour les plans au ras du sol. Là, c'est assez heavy. Et donc, avec toutes ces parties, on peut faire pratiquement tout ce qu'on veut. Soit run and gun, soit en mode basique, soit en mode voilà, complet comme ça. Et donc, d'une bonne qualité en RAW 12 bits. Si on veut passer run and gun, on vient mettre la poignée. Pour mettre la poignée, il vaut mieux tirer la prise XLR parce que sinon, il y a le flip-flop là qui gêne. Ou alors tirer le flip-flop, la petite porte. On peut rajouter même une petite lumière ici. Il y a l'espace sur la poignée ou sur la cage. Et c'est pour ça que j'aime particulièrement la cage de chez Tilta. Parce que voilà, il y a toutes ces possibilités. Là au moins, pas de souci dans la couleur. Voilà. Pour les transmetteurs et récepteurs de Jiun, on peut les utiliser avec le stabilisateur uniquement. Ou comme ça, séparément. Donc c'est ça qui est bien, c'est de pouvoir mixer un peu, rassembler tous les produits. Ça fait un méga produit. Pour en revenir à l'enfance, voilà, c'est comme les Power Rangers, ils avaient chacun leur robot, mais ils pouvaient se rassembler. Ça faisait un méga robot. Bah là, c'est pareil. Tout seul c'est bien, mais ensemble c'est mieux. All right, que le faire ou pas. Le transmetteur, ah non, le récepteur, c'est comme les Power Rangers. J'espère que cette petite série de setup vous a plu. On n'oublie pas de s'abonner, bien sûr, et on se retrouve très vite pour les prochaines vidéos. D'ici là, enjoy!